Notre pouvoir, non, notre cours sur le pouvoir en France et finalement cet absolutisme qui atteint son sommet au XVIIe siècle, nous allons voir qu'au cours du XVIIIe siècle, il est au contraire assez contesté. Donc là, nous avons notre cher Philippe d'Orléans, vous savez, le neveu de Louis XIV, qui exerce la régence et qui doit faire face à un petit problème, qui est qu'à la veille de sa mort, Louis XIV avait décidé de légitimer tous ses enfants bâtards, c'est-à-dire nés hors mariage, qui normalement n'ont aucun droit sur le royaume, et ça va contre les lois fondamentales du royaume. Regardez là les principales lois fondamentales dans l'hérédité, ce qu'on appelle la loi de primogéniture, c'est-à-dire que c'est le plus âgé, c'est l'aîné qui accède au pouvoir. Et s'il meurt sans descendant, eh bien c'est son frère cadet, etc., etc. Mais aussi, il y a cette idée que les enfants illégitimes n'ont pas de droit à la couronne. Donc du coup, Louis XIV fait décider ça, du fait que lui, il a peu d'héritiers, il a peur que sa dynastie s'arrête déjà. Dynastie des Bourbons qui n'a été fondée que par Henri IV. Donc c'est une dynastie récente. Louis XIV n'est que le troisième roi de cette dynastie. Sauf que les volontés d'un roi, surtout un roi comme Louis XIV, on les respecte à la lettre. Sauf que quand il est mort, on en fait un peu ce que l'on en veut. Et alors là, ça me fait penser à la fin de la saison 1 de Game of Thrones, dont je vais vous passer l'extrait. Alors si vous voulez voir la saison et que vous n'avez pas encore vu passer ce passage-là, hein. Mais je trouve que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, attention spoiler, quand Robert Baratheon meurt, il nomme Ned Stark pour être le régent, et Ned Stark est tout heureux d'avoir le papier du roi avec son sceau certifiant qu'il doit exercer la régence. Sauf que là, le roi, il est mort, et donc l'autorité qui est là pour faire valider ce testament, elle n'est plus là. Allez, regardez cet extrait, pardonnez-moi pour la VF, elle est vraiment atroce. Le sceau du roi Robert. Intact. Par la présente, Lord Eddard Stark est nommé protecteur du royaume afin de gouverner en tant que régent jusqu'à ce que l'héritier atteigne sa majorité. Puis-je voir cette lettre, Sir Barristan? Protecteur du royaume. Est-ce votre bouclier, Lord Stark? Un morceau de papier. C'était les volontés du roi. Nous avons un nouveau roi. Donc on le voit là, finalement, Philippe d'Orléans fait à peu près la même chose avec les volontés de Louis XIV. Et il a écrit un testament, certes, mais une fois qu'il est mort, de toute façon, il n'a plus l'autorité pour faire adopter ce testament-là. Et donc, Philippe d'Orléans va complètement revenir sur les volontés de son oncle. Mais pour le faire, il a besoin des parlements, notamment du Parlement de Paris, qui est le plus puissant. Vous savez, ce sont ces parlements qui avaient un droit de remontrance si jamais ils étaient en désaccord avec une loi adoptée par le roi. Et ils pouvaient du coup refuser de l'adopter. Et la seule solution, c'était que le roi se déplace en personne pour faire un lit de justice et pour faire quand même passer cette loi. Vous doutez bien que Louis XIV, ce n'était pas son genre d'aller se déplacer pour faire adopter des lois tous les 36 du mois. Donc du coup, Louis XIV leur avait dit, votre droit de remontrance, vous le gardez, mais vous pouvez juste le faire après l'adoption d'une loi. Vous pouvez dire que vous n'étiez pas d'accord, mais de toute façon, la loi, elle est adoptée et elle rentre en vigueur. Donc en gros, les parlements sous Louis XIV n'ont plus le moindre pouvoir. Et donc là, il y a une association des deux, du régent Philippe d'Orléans et des parlements, parce qu'il a besoin de ces parlements pour faire revenir sur le testament de Louis XIV. Alors vous allez voir dans ce texte, Philippe d'Orléans fait comme si il le faisait de gaieté de cœur en valorisant le Parlement, mais si on lit entre les lignes, on voit que finalement,
cette reprise du droit de remontrance par les parlements est finalement le fruit d'une négociation. Philippe d'Orléans peut exercer le pouvoir sans craindre d'être remplacé par les fils ou filles légitimes de Louis XIV qui auraient été légitimes au dernier moment, puisqu'il invalide ce testament. Donc il est sûr qu'il pourra exercer le pouvoir jusqu'à la majorité de Louis XV, c'est-à-dire pendant 8 ans. Et en même temps, les parlements retrouvent le pouvoir qu'ils avaient avant Louis XIV. Alors regardez. La fidélité, le zèle et la soumission avec lesquelles notre cour de parlement a toujours servi le roi, notre très honoré seigneur et bisaïeul, nous engagent à lui donner des marques publiques de notre confiance. Ça, c'est complètement hypocrite. Non, il n'y a pas eu de fidélité, de zèle et de soumission de la part du Parlement sous Louis XIV. C'est bien pour ça que Louis XIV leur a retiré son pouvoir. Mais bon, Philippe d'Orléans les flatte. Et surtout dans un temps où les avis d'une compagnie aussi sage qu'éclairée peuvent nous être d'une si grande utilité, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus honorable pour elle et de plus avantageux pour notre service même que de lui permettre de nous représenter ce qu'elle jugera à propos avant que d'être obligé de procéder à l'enregistrement des édits et déclarations que nous lui adresserons. En gros, on lui redonne le droit de remontrance. Et nous sommes persuadés, et là c'est marrant, parce qu'il dit, voilà, vous avez votre droit de remontrance, mais il va pas falloir trop nous embêter non plus. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est complètement sous-entendu, regardez. Et nous sommes persuadés qu'elle usera avec tant de sagesse et de circonspection de l'ancienne liberté dans laquelle nous la rétablissons, que ses avis ne tendront jamais qu'au bien de notre État et mériteront toujours d'être confirmés par notre autorité. À ces causes, voulons et nous plaît que lorsque nous adresserons à notre cour de parlement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, émanées de notre seule autorité et propre mouvement, avec nos lettres de cachet portant nos ordres pour les faire enregistrer, notre dite cour, avant que d'y procéder, puisse nous représenter ce qu'elle jugera à propos pour le bien public de notre royaume, et ce, dans la huitaine au plus tard du jour de la délibération qui aura été prise. Donc là aussi, cette idée, faites-nous remonter des choses avant d'enregistrer les dits, c'est le propre du droit de remontrance. Le problème, c'est que là, c'était le vœu de Philippe d'Orléans dès qu'il arrive au pouvoir en 1715, mais finalement, les parlements ne vont pas tarder à rejouer à nouveau leur rôle de contre-pouvoir, si bien que en 1766, Louis XV se déplace en personne dans le Parlement et organise ce qu'on appelle un lit de justice. Le lit de justice, c'est l'idée que le roi, il se déplace dans le Parlement. Normalement, le pouvoir qu'exerce le Parlement, c'est un pouvoir par délégation du roi. Donc si le roi se déplace, eh bien, il peut l'exercer lui-même. Sauf que c'est assez humiliant pour un roi d'avoir à se déplacer pour faire valider une de ses lois. Et donc là, Louis XV, en 1766, prononce un discours très violent à l'égard des parlementaires, du Parlement, qu'on appelle le discours de la flagellation. La flagellation, c'est quand vous faites fouetter. Donc là, c'est l'humiliation. Enfin, en général, moi, j'ai une collègue de PS que j'apprécie beaucoup. Je ne la citerai pas parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise Roxane. Et donc, c'est vrai que dans certains contextes, la flagellation peut procurer un certain plaisir. Je ne dis pas. Mais là, dans le contexte de 1766, où c'est le roi qui vient vous dire ce qu'il est en train de vous dire, là, c'est la flagellation pas très sympathique. Voilà, on va voir ce qu'il nous dit. Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer à une association de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes. Comme s'il était permis d'oublier que c'est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, que c'est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité, que c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif, sans dépendance et sans partage, que c'est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, à la publication et à l'exécution de la loi, et qu'il leur est permis de remontrer ce qui est du devoir de bons et fidèles conseillers. C'est extrêmement violent. Là, enfin, Louis XIV aurait très bien pu dire ça aussi. Ce moi seul qui revient si souvent, c'est la définition de l'absolutisme, là. Là, Louis XV leur redéfinit
l'absolutisme. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui fais les lois, vous vous êtes là pour les enregistrer. Regardez cette idée, mes cours procèdent non à la formation, mais à l'enregistrement, la publication et l'exécution des lois. Alors, vous n'êtes pas le pouvoir législatif. C'est un peu comme si aujourd'hui, M. Macron, à la tête du pouvoir exécutif, allait voir l'Assemblée nationale, le pouvoir législatif, pour leur dire, c'est moi qui décide la loi que vous devez. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, dans un système non absolutiste, démocratique, eh bien, ces pouvoirs sont distingués. Là, on voit que Louis XV montre bien que c'est dans sa seule personne que résident les trois pouvoirs. Alors du coup, le problème, c'est que s'il a besoin en 1766 de préciser ça, que c'est de lui seul que revient le pouvoir, c'est donc que c'est remis en cause quelque part. Si c'était évident pour tout le monde, il n'aurait pas à le préciser. Et donc ce discours, aussi violent soit-il, il montre que quelque part l'absolutisme, il commence à se fissurer en France. Du coup, s'il y a une opposition des parlements, la dernière solution dont dispose le roi, c'est la convocation des États généraux, qui sont finalement une assemblée exceptionnelle constituée de représentants des trois ordres, noblesse, clergé, tiers-État, qui peuvent permettre au roi de lever notamment de nouveaux impôts, de changer les lois fondamentales du royaume. Et ça, c'est important parce que les impôts, effectivement, ils sont très problématiques au cours du XVIIIe siècle parce que la situation financière de la France, elle est catastrophique. Je vais prendre un exemple. Quand le roi veut construire des routes, comme c'est le cas sur ce tableau, eh bien, il fait des corvées. Il fait des corvées, c'est-à-dire les corvées, c'est des journées de travail obligatoires que vous devez à votre seigneur ou au roi et qui impose la participation gratuite à des travaux d'utilité publique comme construire des routes ou des ponts. Et vous voyez que des routes, il s'en est construit énormément au XVIIIe siècle de façon à favoriser les échanges, à favoriser le commerce. Vous voyez que le temps de transport entre les principales villes du royaume a été divisé par deux en l'espace de 25 ans. Donc c'est que il y a de grandes routes qui ont été construites un petit peu partout, mais que pour construire ces routes, il a fallu faire appel à la corvée. Ce qui a donné maintenant un mot employé dans le langage courant. Une corvée, c'est quelque chose que vous faites sans le moindre plaisir, en étant obligé et qui vous procure un certain déplaisir. Mais à la base, une corvée, c'est dans le système féodal. Le travail que le vassal doit à son seigneur. Alors regardons ce texte. J'ai vu aligner la grande route du Mans à la Flèche à travers les champs, les prés et les landes. Ce fut le peuple qui fit cette route à la corvée. Les fermiers charriaient de pierres et les autres les cassaient et tiraient de la terre, puis les plaçaient sur la route. Elle a été commencée à La Fontaine en 1750. Cela ruina le peuple. Ceux qui manquaient à la corvée au mois de mars et d'avril, on les mettait en prison à leurs frais et dépens. J'ai vu le commencement des cotons et cotonnades, les dames les plus riches s'emparaient d'abord, puis les femmes du commun et enfin les domestiques, et même les pauvres. Ensuite, les toiles d'orange et les indiennes sont aussi venues à la mode. Ce sont les grandes routes qui ont facilité le commerce et qui nous ont procuré les marchandises étrangères, car les transports n'étaient pas si chers. C'est intéressant parce que cette fin de texte nous montre le lien finalement entre construire des routes et l'essor du commerce, du libéralisme. Vous savez, le principe à la base de la mondialisation, c'est l'augmentation des échanges entre les différentes parties du monde. Eh bien, le principe à la base de la mondialisation, c'est le fait de faciliter les échanges. Et là, on voit bien que les dames s'habillent avec du coton, des années, enfin des vêtements produits à partir de matières premières non originaires de France, mais que cela est rendu possible et à une plus grande frange de la population parce que les transports sont de moins en moins chers. Ah, c'est très explicite et très, très intéressant dit comme ça. Eh bien écoutez, vous doutez bien du coup que ces corvées, dont finalement la noblesse et le
le clergé ne sont pas concernés parce qu'ils ont des privilèges. Un privilège, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à cette loi-là. Un privilège, c'est le fait de ne pas être pas être soumis à une loi. Privilège qui est privé de cette loi. Mais dans le sens privé d'un impôt, privé d'une corvée. Et bien finalement, ces corvées, elles reposent exclusivement sur le tiers-état. Alors on va voir, hein, outre finalement ce blocage des parlements, cet absolutisme, il est aussi contesté par les Lumières. Alors, il est important déjà de dire que les Lumières, c'est un courant de savants, pas forcément des philosophes. Hein. Pour la plupart, ce sont des philosophes, mais ils sont des savants, sont des gens qui veulent mettre la raison et la connaissance au service du plus grand nombre. Voilà, qui croient dans cette idée de progrès et de progrès rationnel. Et c'est un mouvement européen. Et bien, ces Lumières, en soi, ils ne sont pas opposés à la monarchie. Parce que la plupart d'entre eux sont même ouvertement favorables à une monarchie de type parlementaire, comme on va le voir dans le prochain chapitre au Royaume-Uni. Par contre, ils sont opposés à l'absolutisme. Ils sont très critiques vis-à-vis de l'absolutisme. Donc, c'est la monarchie absolue qu'ils combattent, mais pas la monarchie en soi. Ils n'ont pas de problème à l'idée qu'il y ait un roi qui ait le pouvoir de façon héréditaire, mais il faut que le pouvoir de ce roi soit contrebalancé par le Parlement et un Parlement qui soit représentatif quand même de la population. Alors, ils s'opposent finalement à cette monarchie absolue sur différents aspects que l'on va voir. Tout d'abord, il y a l'aspect politique. L'aspect politique, c'est notamment Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui estime qu'il est nécessaire de séparer les trois pouvoirs. C'est un texte que nous avons déjà vu en enseignement moral et civique, mais que nous allons relire parce que c'est un texte qui est fondamental et qui peut interroger le fonctionnement de notre démocratie à l'heure actuelle. Lisons ce que nous dit Montesquieu. Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Alors, la puissance exécutrice du droit des gens, ça va être le judiciaire. Et la puissance exécutrice du droit civil, c'est la puissance exécutive, en fait, de gérer l'État. Mais il va l'expliciter dans le deuxième paragraphe. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Ça, c'est le pouvoir législatif. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends entre des particuliers. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. Tout serait perdu si le même homme ou le même corps des principaux ou des nobles ou du peuple exerçait ces trois pouvoirs. Celui de faire des lois, le législatif, celui d'exécuter les résolutions publiques, l'exécutif, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers, le judiciaire. Donc, Montesquieu, pour lui, il ne peut pas y avoir d'État sans ces trois pouvoirs. Et il faut que ces trois pouvoirs soient séparés. Non seulement séparés, que ce ne soit pas la même personne, mais que ce soit même ne pas le même groupe de personnes. Alors, du coup, on revient, pouvoir exécutif, pouvoir d'exécuter, de faire respecter les lois, pouvoir législatif, pouvoir de faire les lois, pouvoir judiciaire, pouvoir de juger selon les lois. Vous voyez que dans l'Ancien Régime, le pouvoir exécutif, c'est le roi. Le pouvoir législatif, c'est le roi, Louis XV l'a bien rappelé, et le pouvoir judiciaire, c'est le roi en fait. Les parlements, certes, peuvent juger, mais ils l'ont par délégation. Si le roi veut juger une affaire à la place d'un parlement, il peut très bien le faire. C'est-à-dire que le parlement l'exerce parce que, pour simplifier en gros le travail du roi. Et puis il faut savoir qu'à cette époque, en plus, les rois disposent d'une lettre de cachet qui permet d'emprisonner n'importe qui sans en justifier le motif et pour la durée qu'il veut. Donc là aussi, on voit que dans le pouvoir judiciaire, il y a un grand arbitraire royal. L'arbitraire, c'est-à-dire le fait de pouvoir décider tout seul. Si on voit aujourd'hui la situation, eh bien, le pouvoir exécutif, c'est le président et le premier ministre. Le pouvoir législatif, normalement, c'est le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale qui décident seuls des lois. Et le pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux. Donc ça, c'était pour le pouvoir politique. Mais, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce projet de l'encyclopédie mené par Diderot et d'Alembert
sont ceux qui sont à l'origine du projet, dit Drouet d'Alembert, mais en fait, il y a près de 200 contributeurs quand même à l'encyclopédie. Vous voyez là les différents tomes, c'est quand même une œuvre éditoriale considérable qui a nécessité beaucoup, 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 beaucoup de contributions différentes. Et bien finalement, dans l'encyclopédie, on se sert de certains articles pour faire passer des messages politiques. L'idée, c'est pas uniquement de servir d'un dictionnaire neutre et objectif. On essaie de faire passer des idées, et des idées qui sont généralement celles des Lumières, et qui du coup critiquent l'absolutisme royal, critiquent l'intolérance religieuse, etc., etc. Si bien que finalement, Diderot va être emprisonné, bon, ça va pas être très violent, ça va pas durer longtemps, mais le pouvoir royal va lui signifier quand même qu'il est allé trop loin, et surtout l'encyclopédie va être censurée. Et donc du coup, les derniers tomes de l'encyclopédie vont être publiés à l'étranger, hors de France, et vont circuler sous le manteau, en quelque sorte. Vont être vendus de façon illégale. Donc l'encyclopédie se diffuse quand même en France, mais comme elle est censurée, ça doit se faire de façon très discrète, va-t-on dire. Alors regardez, j'aime beaucoup ces documents parce que on a deux dictionnaires, un dictionnaire de la fin du XVIIe siècle et l'encyclopédie. Et ces deux textes veulent définir le mot peuple. Peuple, peuple. Normalement, ben, le peuple, c'est la population, c'est les habitants d'un État. Vous voyez, là, ce serait une définition courte et un peu objective. Et vous allez voir que ces deux définitions ne sont pas du tout objectives et que le parti pris est complètement opposé. Et c'est très amusant de voir qu'à 60 ans d'écart, on dit des choses aussi différentes pour parler du peuple. Alors regardez la définition qui est donnée dans le dictionnaire de 1690. Assemblée de personnes qui habitent un pays, qui composent une nation. Bon. Se dit encore plus particulièrement par opposition à ceux qui sont nobles, riches ou éclairés. Le peuple est peuple partout, c'est-à-dire sot, remuant, aimant les nouveautés. Cet homme est gâté de toutes les erreurs et opinions du peuple. Le petit peuple, le menu peuple, le commun du peuple est malin et séditieux. Ben en gros, le peuple, ce sont les bêtas, quoi. Les pauvres imbéciles qui savent pas ce qu'ils veulent et qui sont toujours à rejeter ce que le roi et les nobles voudraient faire pour le bien de tous. C'est à peu près ce qui est dit là dans cette définition. Maintenant, allons voir ce que nous dit Louis de Jaucourt dans l'encyclopédie. Alors déjà, il reconnaît que c'est difficile à définir. Non collectif, difficile à définir, parce qu'on s'en forme des idées différentes dans les divers lieux, dans les divers temps, et selon la nature des gouvernements. Ça aussi, c'est intéressant, parce que là, ça a l'air au contraire très objectif, il montre qu'il y a une pluralité des visions, mais à dire que ça change selon la nature des gouvernements, c'est sous-entendre qu'il y a des gouvernements qui estiment le peuple, et d'autres au contraire, qui ne l'estiment pas. C'est extrêmement subtil. Là, on a une critique qui est très subtile. Vous allez voir qu'après, ça devient quand même beaucoup plus explicite. Autrefois, en France, le peuple était regardé comme la partie la plus utile, la plus précieuse, et par conséquent la plus respectable de la nation. Alors, on croyait que le peuple pouvait occuper une place dans les États généraux. Les États généraux, c'était ce que là, ils sont sur le point de convoquer pour résoudre le problème, mais qui n'a pas été convoqué depuis des siècles en France. Et finalement, le pouvoir des États généraux est plutôt passé au Parlement. Et même au roi tout court, on pourrait dire. Et les parlements du royaume ne faisaient qu'une raison de celle du peuple et de la leur. Là, c'est une vision un petit peu trop positive du parlement, mais généralement, les Lumières appartiennent à la bourgeoisie, qui elle-même fait partie des parlements, et donc a une vision un petit peu trop positive de son propre rôle, pourrait-on dire. Les idées ont changé, et même la classe des hommes, faite pour composer le peuple, se rétrécit tous les jours davantage. Autrefois, le peuple était l'état général de la nation, simplement opposé à celui des grands et des nobles. Il ne reste donc dans la masse du peuple que les ouvriers et les laboureurs. Je contemple avec intérêt leur façon d'exister. Je trouve que cet ouvrier habite ou sous la chaume ou dans quelque réduit que nos villes lui abandonnent parce qu'on a besoin de sa force. Il se lève avec le soleil, le jour fini, il se couche durement dans les bras de la fatigue. Le laboureur, autre homme du peuple,
est avant l'aurore tout occupé à ensemencer nos terres, à cultiver nos champs, à arroser nos jardins. Il souffre le chaud, le froid, la hauteur des grands, l'insolence des riches, le brigandage des traitants, le pillage des commis, le ravage même des bêtes fauves qu'il n'ose écarter de ses moissons par respect pour le plaisir des puissants. Tel est le portrait des hommes qui composent ce que nous appelons peuple et qui forment toujours la partie la plus nombreuse et la plus nécessaire de la nation. Là, c'est extrêmement fort ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que finalement, le peuple, c'est ceux qui sont utiles. Donc si c'est ceux qui sont utiles, à quoi servent les autres? À quoi sert la noblesse? À quoi sert le haut clergé? Donc là, on a une critique très forte de la société du XVIIIe siècle qui est faite, où on valorise finalement ce peuple qui est un peuple travailleur. Dites-vous bien qu'au XVIIIe siècle, il était très mal vu pour un noble de travailler. La noblesse était tout occupée à ses loisirs et à vivre de ses rentes. Ses rentes, c'est-à-dire qu'elle possédait des terres qui étaient travaillées par des paysans qui reversaient de l'argent aux nobles et ils vivaient uniquement de ça. Et regardez, même ça c'est subtil, mais cette idée que leurs champs sont ravagés par des bêtes sauvages, qu'ils n'osent écarter de ses moissons par respect pour le plaisir des puissants. Ça, c'est cette idée que, comme les nobles, dans leurs loisirs, aiment énormément la chasse, ils chassent sur leurs terres, les terres qu'ils laissent en rente aux paysans qui les travaillent pour eux, mais que ces paysans-là n'ont pas le droit de tuer les bêtes sauvages. Ça, c'est appelé du braconnage. Vous n'avez pas le droit de chasser quand vous êtes un paysan dans l'Ancien Régime. Parce que, eh bien, ce plaisir-là doit être laissé à la noblesse. Alors, il peut y avoir quelques exceptions, quand par exemple, il y a une quantité de loups. Voilà, pour des bêtes sauvages ou dangereuses ou en trop trop grosse quantité, il pouvait être autorisé momentanément à ce que les paysans pratiquent la chasse. Mais sinon, c'était un plaisir de la noblesse, et donc du coup, si les sangliers ravageaient les champs, eh bien, on les laissait faire parce qu'il fallait que le seigneur il puisse avoir le plaisir de chasser le sanglier. Et généralement, en chassant, la chasse à courre, c'est-à-dire que vous lancez vos chiens pour fatiguer l'animal, vous suivez cet animal avec vos chevaux, hein, et donc du coup, vous ravagez les champs. La chasse à courre, c'était vraiment une façon pour les seigneurs de se montrer à la populace, mais aussi de dévaster leur terrain et de montrer leur supériorité et leur indifférence au sort du petit peuple. Donc, que ce soit finalement dans l'encyclopédie ou dans l'esprit des lois de Montesquieu, on voit qu'il y a une critique du fonctionnement politique et même du fonctionnement social très forte qui est faite par les Lumières. Alors, il y a aussi une critique qui est faite dans le domaine religieux. C'est-à-dire que même si la plupart des philosophes des Lumières croient en Dieu, ils sont au moins déistes. Déistes, c'est ce qu'on dit, croyant en l'existence d'un Dieu. Mais ils demandent une tolérance religieuse, notamment pour les minorités religieuses persécutées, les protestants et même les francs-maçons. Le plus célèbre des philosophes des Lumières qui se soit exprimé sur cette question, c'est Voltaire. Voltaire, dans un traité sur la tolérance qu'il a écrit à l'occasion de la mort de Jean Calas. Jean Calas, c'est un protestant toulousain dont le fils s'est suicidé. Il était évident que son fils était suicidé, mais comme il était protestant, finalement, on l'a accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme, et pour cette raison, il a été brûlé à l'actuelle place Saint-Raymond à Toulouse, pas loin du Capitole. Et là, Voltaire s'engage pour réhabiliter Calas, faire en sorte qu'on prouve que Calas était innocent. Il était déjà mort, hein. Mais voilà, c'est Voltaire. Voltaire s'est battu en fait pour qu'on réhabilite quelqu'un qui venait d'être brûlé. Et il a obtenu gain de cause. Voilà, je ne sais pas si ça a fait très plaisir à Jean Calas, parce que là, il était déjà un petit peu refroidi. Mais du coup, Voltaire finalement se sert aussi du prétexte de Jean Calas pour montrer à quoi peut mener le fanatisme et la persécution des protestants en France au XVIIIe siècle. Et il dit cette phrase assez intéressante, hein, qui est que le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion. Et là aussi, donc c'est important, ils ne sont pas forcément opposés à l'idée de religion, ils sont opposés à l'idée d'une religion unique, officielle, qui persécuterait toutes les autres. Ah, donc ça, c'est important.
Parce que Voltaire, par exemple, lui croit à l'existence d'un dieu horloger. Il dit qu'il ne serait pas possible que le monde fonctionne tel une horloge et n'ait pas d'horloger qui l'ait créé. Donc pour lui, voilà, il y a eu un dieu qui a créé le monde, mais qui, après, n'a plus d'influence sur celui-ci. Et finalement, les philosophes qui sont athées, qui nient l'existence de Dieu, sont très rares dans les Lumières. Il y en a un qui me vient à l'esprit, qui est le marquis de Sade, qui est connu pour des écrits extrêmement violents, très sexualisés et très violents, où on y pratique le meurtre, le viol, enfin tout un tas d'horreurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que Sade a donné le mot sadisme. Le sadisme, c'est quand vous prenez du plaisir à faire souffrir les autres. Vous savez, un petit peu dans mon histoire de la flagellation tout à l'heure, spéciale dédicace. Eh bien, Sade dit une phrase assez intéressante. Hein. Bon, c'est un auteur extrêmement violent, mais qui néanmoins peut être rangé dans les lumières parce qu'il a un système de pensée qui le justifie, qui raisonne et qui insulte, là, qui va jusqu'à l'insulte de la religion. Il n'en est même plus à la demande de la tolérance religieuse, il en est au fait de supprimer toutes les religions. Regardez ce qu'il dit. Il dit: mon plus grand chagrin est qu'il n'existe réellement pas de Dieu et de me voir privé par là du plaisir de l'insulter. C'est-à-dire que Sade aimerait qu'il y ait un Dieu juste pour pouvoir l'insulter. Mais bon, si on voit le reste de ses écrits, en fait, Sade passe son temps à insulter Dieu, à jurer, à blasphémer. Et quelque part, le blasphème, quand on insulte Dieu et qu'on y prend du plaisir, c'est que quelque part, dans le fond, on se demande s'il n'existe pas un peu quand même. Donc je me dirais. Je pense que même l'athéisme de Sade, je me demande s'il est complètement sincère. En tout cas, voilà. Sade, c'est avec cet athéisme, c'est vraiment une vision extrême des Lumières. La plupart des Lumières se situent soit dans un déisme comme Voltaire, il y a un dieu créateur, soit dans un catholicisme modéré, tolérant, on va dire. Et enfin, donc, dans le domaine social et économique. Alors là, on a un philosophe un peu particulier, qui est Jean-Jacques Rousseau, dont on va lire son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et vous allez voir ce qu'il nous dit. Bon, excusez-moi. J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain et le peuple ne puissent avoir qu'un seul et même intérêt, afin que tous les mouvements de la machine ne tendissent jamais qu'au bonheur commun. Et qui, ne pouvant se faire à moins que le peuple et le souverain ne soient une même personne, il s'ensuit que j'aurais voulu naître sous un gouvernement démocratique, sagement tempéré. J'aurais voulu vivre et mourir libre. J'aurais donc voulu que personne dans l'État n'eût pu se dire au-dessus de la loi, et que personne au dehors ne pût imposer que l'État fût obligé de reconnaître. Car quelle que puisse être la constitution d'un gouvernement, s'il se trouve un seul homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion, c'est-à-dire soumis de celui-là. Là, on a une critique très très forte de la monarchie absolue qui est faite aussi. C'est-à-dire que pour Rousseau, le peuple et le souverain ne soient qu'une seule et même personne, donc c'est-à-dire donner le pouvoir au peuple. Donc c'est pas forcément l'idée de l'absolutisme. Et cette idée qu'il refuse qu'un seul homme ne soit pas soumis à la loi. Donc même le roi doit être soumis à la loi. Aussi, on n'est pas vraiment dans l'absolutisme. Et Rousseau va très loin parce qu'il va même jusqu'à remettre en cause la notion de propriété privée. Regardez, c'est dans ce même texte, regardez ce qu'il écrit. Ah, il y a une fourmi. Le premier qui, ayant enclos un terrain, c'est-à-dire clôturé son terrain, dire si ça m'appartient, s'avisa de dire ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant l'épieu ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Là, on est dans quelque chose qui est très proche. Ce qu'on retrouve ensuite dans le communisme. C'est une vision très très radicale. Alors, Rousseau valorise cet état de nature chez l'homme, et pour lui, l'homme, il est perverti par cette civilisation qui sépare les hommes, les rend tristes, crée les inégalités, etc., etc. Mais il est intéressant de noter, si on prend Rousseau au mot, finalement, la radicalité de sa position.
Et d'ailleurs, Rousseau sera repris par les révolutionnaires les plus radicaux, qu'on appelle les montagnards, comme Robespierre. Alors que la plupart des Lumières, eux, défendent plutôt le libéralisme économique, c'est-à-dire la liberté de commerce. Et là, on va les retrouver dans la première vague révolutionnaire, c'est-à-dire dans les Girondins, dans cette révolution bourgeoise. Mais ensuite, la Révolution française, quand elle va devenir vraiment populaire sous l'influence des montagnards à partir de 1792, eh bien là, elle va plus largement s'inspirer de Rousseau. Mais voilà, il est important de noter que cette vision radicale de Rousseau est un peu une exception parmi les Lumières, tout comme l'athéisme de Sade était aussi une exception dans dans la vision religieuse des Lumières. Les Lumières, c'est un courant de pensée, mais il n'est pas uniforme. Il y a quand même des variations très nettes d'un auteur à l'autre. Et donc, je vous ai dit que la plupart des Lumières ne sont pas comme Rousseau à remettre en cause la propriété privée, qu'ils sont plutôt en faveur du libéralisme. Eh bien, s'ils sont en faveur du libéralisme et de l'augmentation des échanges, ils s'opposent donc au colbertisme, vous savez que l'on a vu qui avait été mis au point sous Louis XIV, qui lui est protectionniste, qui veut mettre des barrières douanières, qui veut faire entrer le moins de marchandises possible dans le royaume. Donc finalement, qu'ils remettent en cause la propriété privée comme Rousseau, ou qu'ils soient dans le libéralisme comme Voltaire, eh bien finalement ces philosophes des Lumières tous s'opposent au protectionnisme mis en place par la monarchie absolue. Donc finalement, une triple critique politique, religieuse et socio-économique formulée par les Lumières. Alors, maintenant, nous allons voir finalement la situation géopolitique de la France à cette époque-là. Et on va en voir en quoi ça aussi, ça a pu fragiliser l'absolutisme. Alors, si on va sur cette carte, on se dit, eh bien tiens, Louis XV, finalement, a aussi acquis un certain nombre de territoires. On voit la Lorraine, on voit la Corse. Et en plus, on peut se dire qu'il les a acquis en les achetant. Mais ce n'a pas été le fruit d'une guerre. Ces territoires ont été acquis de façon pacifique. Alors que, nous l'avons vu, Louis XIV a fait la guerre à la majorité de son règne. Et d'ailleurs, sur son lit de mort, regardez le conseil qu'il donne au jeune Louis XV. Vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez de vivre en paix avec vos voisins et de soulager vos peuples, ce que j'ai le regret de ne pas avoir fait. Et voilà, sauf que Louis XV, eh ben, il a rien écouté. Il a rien écouté. En même temps, l'idée du N'imitez pas mon goût pour les bâtiments et pour la guerre. À un enfant de 5 ans, je suis pas sûr que ça marche très bien. Voilà. Moi, bon, il n'a pas 5 ans, il a 2 ans et demi, mais déjà, c'est un miracle quand hein, il tape pas sa petite sœur. Si je commence à essayer de lui donner des conseils géopolitiques sur la façon de gérer son état, je suis pas convaincu que ça fasse sens. Voilà. Mais bon, après voilà, je ne suis pas là pour clasher Louis XIV, hein, quand même pas. Mais voilà, je trouve ça assez intéressant. Alors, ils se sont basés sur des témoignages de l'époque, qui semblerait que Louis XIV ait vraiment dit ça, ait vraiment donné ses conseils à son arrière-petit-fils. Mais bon, voilà, son arrière-petit-fils, eh bien, il s'est lancé dans la guerre. Alors là, c'est la guerre de 7 ans. Donc le dernier chiffre ne s'affiche pas sur mon PowerPoint, mais en même temps, ben, vous faites 1763 moins 7, et voilà, et vous obtenez 1756. Parce que comme elle s'appelle la guerre de 7 ans, c'est une guerre qui durera 7 ans. Vous êtes brillants. Je suis sûr qu'il y en a plein là qui, derrière leur écran, l'avaient vu avant moi. Donc cette guerre de 7 ans, en quoi elle est intéressante? Eh bien si on regarde cette carte, le camp de la France, normalement, il était parti pour l'emporter. Il rassemble les principales puissances. France, Espagne, Autriche, Russie. En face, il y a quoi? Grande-Bretagne, Prusse, Portugal. Et bien pourtant, ce sont eux qui ont gagné. Et elle est intéressante, cette guerre, parce que,
elle est parfois qualifiée de Première Guerre mondiale parce que du fait des différents empires coloniaux en Asie, en Afrique et surtout aux Amériques, eh bien, c'est une guerre qui a eu lieu sur à peu près tous les continents. Une guerre vraiment désastreuse qui a coûté très cher et qui surtout s'est soldée par l'humiliation de la France qui a dû céder la quasi-totalité de son empire colonial à l'Angleterre. C'est pas de la guerre de 7 ans, par exemple, que nous avons perdu le Québec, que le Canada a récupéré le Québec, et heureusement, les Québécois, attachés à notre culture, à notre langue, ont gardé la belle langue française. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, les Québécois refusent les anglicismes. C'est-à-dire que tous les films anglais sont traduits au Québec en français. Et ils n'utilisent pas des mots comme parking, ou des mots dérivés de l'anglais. Ils veulent garder un français intact et je les remercie pour ça. Voilà, je vous remercie, amis québécois, pour la défense de la langue française et pour Céline Dion. Voilà, ça fait quand même deux raisons pour lesquelles je vous adore. Big up. Donc voilà, finalement, certes, Louis XV obtient la Lorraine et la Corse, mais perd la quasi-totalité de l'empire colonial. Donc finalement, dans les faits, la France est en repli, territorialement parlant. Elle est ruinée parce qu'une guerre, ça coûte toujours cher, mais une guerre que vous avez perdue, ça coûte encore plus cher parce que vous ne pouvez même pas imposer des conditions au pays qui vous a gagné. Non seulement vous vous endettez pour mener la guerre, et puis ensuite vous payez les indemnités de guerre à celui qui vous a vaincu. Donc la France est complètement ruinée, et désormais on peut dire que la principale puissance européenne, c'est la Grande-Bretagne. Voilà, là on a, alors que la France était la grande puissance militaire au temps de Louis XIV, eh bien là en déclin et elle se fait dépasser progressivement par la Grande-Bretagne. Et c'est en partie pour venger cette humiliation de la guerre de 7 ans en 1763 que les Français vont aller aider les insurgés aux États-Unis dans leur guerre d'indépendance à peine un peu plus de 10 ans plus tard, hein, parce qu'elle débute en 1775. En 1775, les insurgés menés par George Washington veulent l'indépendance des États-Unis et la France finit par envoyer Lafayette et des troupes pour aider à l'indépendance des États-Unis. Une façon vraiment de se venger des Britanniques. Alors, regardez, hein, c'est un document que l'on a déjà vu, mais donc Louis XIV s'arrête ici, il laisse un état de finances désastreux à son successeur. Alors l'état de finances se rétablit progressivement, mais attendez, là on a l'impression que c'est une hausse considérable. Mais jusqu'en 1740, on reste en déficit. C'est-à-dire que chaque année, il faut à nouveau emprunter et les rembourser l'année qui suit. Et on a à peine une décennie là, entre 1740 et 1750, de stabilité, et puis la guerre de 7 ans éclate, et là c'est à nouveau la catastrophe. Donc, la France, elle est ruinée, elle est humiliée sur la scène géopolitique. Et donc du coup, pour faire face à ça, Louis XV avait fait adopter un impôt, le 20e, un 20e des revenus. Et la particularité, c'était que c'était un impôt voté en temps de paix, donc qui avait été vocation à être permanent et à toucher toute la société. Sauf que le clergé va y échapper, c'est-à-dire les gens d'église. Et le Parlement va tout faire pour le minimiser au maximum. Vous voyez bien que finalement, si on regarde l'évolution des finances sous le règne de Louis XV, eh bien on voit que certes, les revenus augmentent. Ils passent de 181 millions de livres à 377, mais que les dépenses aussi. Et même que les dépenses augmentent plus vite que les revenus. Là, l'écart, il n'est que de 1 million. Là, on a un petit bénéfice, parce qu'il y a 2 millions de livres de revenus supplémentaires aux dépenses. Mais alors là, en 1775, ben, la situation, elle est désastreuse. Et 1775, c'est l'année de la mort de Louis XV. Donc nous, on s'arrête là parce que vous parlerez de Louis XVI en première l'année prochaine. Je ne veux pas anticiper sur la Révolution française, mais ayez bien conscience que quand Louis XVI arrive au pouvoir, alors il a 20 ans, il n'y a pas de régence, mais il a une situation
économique désastreuse à gérer, et un absolutisme qui a été contesté tout au long du règne de Louis XV. Voilà, c'est quand même les deux éléments à avoir en tête avant d'aller vers l'année prochaine. Alors c'est pour cela que du coup ce chapitre, j'ai choisi quand même de plus le développer. Habituellement il n'y a que trois vidéos, là j'en ai fait quatre. Les vidéos sont plus longues alors que je vais essayer maintenant de faire des vidéos plus courtes. Mais ce chapitre, je pense que c'est le plus important de l'année. Donc pour résumer cette partie, eh bien les parlements retrouvent une partie de leur pouvoir de la régence jusqu'au règne de Louis XV. Les Lumières contestent la monarchie absolue sur le domaine politique, religieux et socio-économique. Le royaume est en situation de déficit chronique, c'est-à-dire ce n'est pas un déficit exceptionnel, mais tous les ans quasiment, il est en déficit, et perd son empire colonial à la suite de la guerre de 7 ans. Quatrième point, les impôts et les corvées sont répartis de façon très inégale à cause des privilèges, et cela suscite des frustrations très fortes dans le tiers-État. Si maintenant nous voulons répondre à la problématique, donc la question qui a été posée à la première partie de ce cours, qui était sous quelle forme le pouvoir royal s'est-il affirmé en France du XVIe au XVIIIe siècle? Eh bien, nous pouvons dire que l'État monarchique français se renforce de plus en plus à l'époque moderne. Que cette affirmation de la souveraineté, elle atteint son apogée avec Louis XIV, c'est l'absolutisme, mais qu'elle est le fruit d'une longue lutte du pouvoir royal, qui avait débuté dès Henri IV, Louis XIII, et même que l'on peut faire monter jusqu'à François Ier. Donc on est sur un phénomène qui s'installe dans la longue durée, c'est une longue lutte du pouvoir royal, et qui est là pour soumettre toute la société française, que ce soit les parlements, la noblesse, ou aussi les minorités religieuses, comme les protestants. Et aussi pour s'affirmer face aux autres puissances européennes. N'oublions pas que le 16e, le 17e siècle, l'objectif était d'affaiblir les Habsbourg. Au 18e siècle, la grande puissance qui émerge, c'est la Grande-Bretagne. Du coup, il y a un retournement d'alliance. La France se rapproche des Habsbourg pour essayer de lutter contre l'émergence de la Grande-Bretagne comme première puissance européenne, mais elle n'y parvient pas puisque c'est bien la Grande-Bretagne qui remporte la guerre de 7 ans. Finalement, au cours du XVIIIe siècle, on peut dire que cet absolutisme est de plus en plus contesté. Donc, si on voulait faire une sorte de graphique, eh bien, 16e, 17e siècle, un pouvoir royal qui se renforce, qui va jusqu'à l'absolutisme marqué par le règne de Louis XIV, et finalement, dès la fin du règne de Louis XIV, puis sous la Régence et sous le règne de Louis XV, on a un absolutisme de plus en plus contesté. Du coup, nous avons terminé sur ce chapitre. Ce que j'avais envie de souligner, c'est que quand même, il y avait tout un tas de morts rigolotes dans ce chapitre. N'oubliez pas Henri II qui se fait tuer par son propre serviteur, son propre chevalier, lors du tournoi qu'il donne pour le mariage de sa fille. Henri III qui se fait tuer sur sa chaise percée. Lully qui se crève l'orteil avec son bâton de mesure alors qu'il est en pleine répétition et du coup meurt de la gangrène, ou Vatel qui se suicide parce que le poisson n'est pas arrivé à temps pour le repas de Louis XIV. Donc je vous propose, pour ceux qui ont eu le courage de tenir jusqu'à ce point de la vidéo, de voter sur la mort la plus ridicule de ce chapitre. Et pour l'année prochaine, vous inquiétez pas, il y aura aussi des morts assez rigolotes, mais je vous en dis pas plus, spoiler, alerte. Donc, pour demain, je vous enverrai un exercice qui sera de réaliser une frise chronologique, parce qu'il y a eu beaucoup de noms de règnes, beaucoup de choses à voir, et je trouve qu'il est important que vous puissiez situer ces différents événements. Et surtout, ce sera une frise chronologique où l'on va faire finalement plusieurs frises chronologiques l'une par-dessus l'autre, une qui montrera les règnes, une qui montrera par exemple la situation religieuse à l'intérieur du royaume, une autre la situation politique. Bref. On va faire une frise chronologique, mais on va la faire la plus complète possible. Une frise chronologique qui nous prendrait une feuille à quatre. Donc quelque chose d'assez long, qu'on prendra d'ailleurs sous le format paysage. Mais voilà, je vous donne la consigne. Et puis ensuite, évidemment, je vous ferai une vidéo de correction vous montrant la frise chronologique que j'ai moi-même réalisée. Sur ce, prenez soin de vous. C'est donc fini pour cette semaine.
Je vous donnerai donc juste cette frise chronologique à faire pour la fin de semaine. Et puis, la semaine prochaine, nous commencerons le chapitre sur l'État, le fonctionnement de l'État en Grande-Bretagne, dans une étude un petit peu comparative où nous comparons la France et la Grande-Bretagne. Et je vous rassure, je ferai en sorte que les vidéos soient beaucoup plus courtes, beaucoup moins denses. Mais si là, j'ai choisi sur ce chapitre de beaucoup développer, c'est parce que je considère que c'est le chapitre le plus important pour que vous puissiez sereinement attaquer le programme d'histoire de l'année prochaine. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que du fait de ces vidéos, le programme sera terminé cette année en seconde. Voilà. Alors, peut-être qu'il sera terminé le 3 juillet. Et si on reprend en présentiel, eh bien, je trouverai des façons, parce que le présentiel me ferait perdre du temps, mais je trouverai des façons pour que de toute façon, le programme soit terminé. Ce n'est pas une obligation, hein. Le ministère nous a dit que nous n'étions pas obligés de finir les programmes, mais voilà, à titre personnel, je pense que c'est important de vous en laisser la disponibilité. Après, c'est vous, qui choisirez ou pas de visionner toutes ces vidéos, de lire tous ces cours. En ayant bien conscience de toute façon qu'un cours fait à distance n'aura jamais la même efficacité, hélas, qu'un cours en présentiel. Et c'est pour cela que j'espère que l'on pourra se retrouver le plus tôt possible dans un contexte qui soit le moins anxiogène possible aussi. C'est-à-dire, rassurez-vous, si on venait à se retrouver, la priorité, elle sera pas à vite, vite, vite finir le programme. On prendra le temps de faire le bilan de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit pendant ce confinement, dans l'objectif que finalement l'école que l'on construise après soit pas la même que l'école d'avant. Moi, je trouve que j'ai appris pas mal de choses, notamment sur l'usage de l'outil numérique. J'ai remarqué que finalement nos élèves sont souvent sur ces outils-là bien meilleurs que nous-mêmes et que finalement on a beaucoup, beaucoup à apprendre de vous. Et donc je réfléchis là à des modalités de réalisation de classes inversées où finalement on pourrait peut-être laisser un peu plus de place aux élèves. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.